Salut à tous, c'est Luc Fraser, on se retrouve pour la suite de Subnautica épisode 3. Bon, fait que là, aujourd'hui, j'ai prévu qu'on fasse beaucoup d'exploration. Puis on va très probablement continuer la construction de la base. Mais avant tout, je voudrais vous parler d'une chaîne YouTube que j'ai été voir puis que j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis je vous en parle parce qu'en fait, c'est que je voudrais que ma vidéo de faire des vidéos aussi bonnes que dans que lui ait s'est faite. Puis dans ce genre-là aussi. Fait que le nom de sa chaîne, c'est Cladius Nocta. Je vais essayer de mettre ça dans voyons, dans les commentaires, le nom de sa chaîne, mais allez voir ça, c'est vraiment très bien, juste d'entendre ses réactions, puis ses manières de parler, c'est drôle, puis c'est divertissant, puis en plus de ça, il nous parle du jeu, puis comment il trouve, puis il fait des tests, puis tout quoi. J'ai vraiment beaucoup adoré, puis je vous conseille fortement d'aller voir sa chaîne, parce que si vous aimez la mienne, bien, vous risquez d'aimer la sienne aussi. Puis c'est ça, ça se voit qu'il met beaucoup de travail dans ses vidéos, fait que chapeau à lui, puis continue ton beau travail. Ben, fait que là, ouais, je suis déjà pas mal tout prêt à aller faire mon exploration. Faudrait peut-être juste que je vérifie par contre si je peux faire le siglade. Bon, ben écoutez, on va aller chercher des plantes. Je pense que c'est justement dans le biome des algues rouges. Et où l'entrée? Ah oui, ici. Bien. Allons voir ça. Vous allez voir au début, tous les biomes ont l'air relativement gentils et non menaçants, mais plus tard, ça va être complètement l'inverse. Là, on a l'impression que c'est un jeu de survie tranquille, le fun, patati patata, mais on va se rendre compte dans d'autres biomes que non, que c'est quasiment un jeu d'horreur. Du sel. Du sel, c'est toujours bon de ramasser, on n'a jamais assez selon moi. Tu vas avoir le temps de me rendre. J'espère. Non, toi tu me toucheras pas. Non, elle me base. Non, je veux pas mourir. Non. Bon ben écoutez, Schnoot. Bon ben écoutez, c'est des choses qui arrivent, hein. C'est j'ai pas fait attention à mon oxygène, fait que. Fait que j'en paye le prix, tout simplement. Bon, ben écoutez, ok, on va attendre d'avoir le cyclade pour aller explorer ça de bord. Puis j'ai perdu les quelques affaires. Ah non, même pas, j'ai gardé le sel. Ah oh ben ça c'est good. Bon, c'est parti. Juste me prendre quelques poissons à les bouffer. Ah, non, 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 laisse-moi tranquille. Toi. Vide, mais justement est vide, ça me sert à rien. Du sel, toujours du titane. Il y a différents modes de ce jeu-là, probablement que j'en essayerai un autre éventuellement, comme le mode hardcore, où si je meurs, faut que je recommence le jeu, quoi. Oh yeah, c'est justement ça que je cherchais. Yeah! Bon. On va faire une petite pause d'exploration. Ah, non, 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 pas encore, pas encore.
Non. Ça a eu chaud, hein. J'espère juste que je vais retrouver ma base. Ah, drette là. Yay! Ouais, je l'avais dit dans l'autre vidéo, mais c'est très facile de se perdre dans le jeu là. Bon, ok. Qu'est-ce que ça prend? Pile du lubrifiant, du fil de cuivre. Est-ce que j'en ai des batteries? J'ai même pas de champignons acides. Ça c'est pas pire parce qu'il y en a pas long. Prendre de l'avance à ramasser quelques-uns. Nice. Salut toi. Yay. Du quartz. Ça aussi du quartz, on n'a jamais assez. Tous les matériaux de base, faut tout le temps en avoir de réserve au cas où. C'est important. Voilà, puis là je peux faire. Ouais, j'ai oublié d'aller chercher ça. Il va faire tout noir. Ramasser un peu de ça aussi. Hein? Ok. Bien, direction la base. Avouer enfin mon Seaglade. Seaglade, Seaglade, peu importe. C'était moins de 5 km. Un bon conseil. Ben c'est parti, retournons à la capsule. Ben là-bas. C'est quoi ce bug? Ah, ok. Je me demandais là, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, il se passe des affaires bizarres dans le jeu des fois. En même temps, c'est un gros jeu assez compact et lourd. Hein? Fait que, oui, j'ai un message. Fait que c'est un peu normal que ça lag un petit peu. Mmh.
We've landed a kilometer from the crash site, but there's radiation in between us and the rendezvous. Request immediate assistance. Six out. Why? Signal coordinates excluded. Approximate transmission origin recorded to date. Good. On ira voir ça tantôt. Ouais, j'ai pas vraiment besoin de rien ici. Message radio. Bon, ben tant qu'à être là, on va l'écouter lui aussi, hein. C'est le 3. Encore une autre capsule. Il y a peut-être des gens en vie. C'est la capsule 3. Sont les autres. Tant pis. Bon, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a cette capsule-là. Il y a peut-être des plans intéressants. Ça se trouve, je l'ai déjà faite. Ah, ça, je l'ai déjà scanné, mais ça va donner du titan. Ah non, je t'ai pas venu. Boussole. Yay! Y'a-tu quelque chose là-dedans? Oh, vieille! Je pense que je l'ai déjà par contre. On y retourne. J'ai même pas remarqué si je l'avais. Oui, je l'ai déjà. Ça ici. Et quel mobile. Faudrait vraiment que je me fasse une balise parce que j'ai de la misère à trouver ma bosse. Ah ok, là pas si pire. Ah, je ne tiens les deux après moi. C'est cool. Hey, toi, tu vas pas vite puis j'ai de la misère à te pogner pareil. Ça va bien mon affaire. De cuivre.
ça, j'ai essayé dans l'autre vidéo, c'était pas très utile. Comme ça. Ça aussi. J'ai de la misère à trouver mon fabricateur. Ça, c'est drôle. Mais c'est pas un gros problème, ça se fait assez facilement, faut juste trouver du cuivre. Parce que pour faire une batterie haute capacité, j'ai besoin de deux batteries. Ok, deux champignons acides. Et allons chercher du cuivre. Ça se trouve pas mal partout, sauf peut-être en profondeur où c'est plus dur à ramasser. Et l'argent, si il me semble j'en avais vu. On était supposé d'en trouver pas mal du... Ah, ça c'est ça. Ah voilà, c'est ça du calcaire. Ah voilà, on remonte, on remonte. Oui, je suis correct en masse, inquiétez-vous pas. Oh là là, j'aurais peut-être dû faire cette vidéo-là, je dois vous avouer que j'étais un peu fatigué. Une batterie. Caoutchouc. C'est quoi ces cloches? Bien, c'est reparti. Faisons le caoutchouc qui me manque, puis ça va être bon. Pour la baie à véhicule, si ça se trouve, je l'ai déjà fait. C'est possible. Chose de fait. Bon, faites-le très éventuellement, mais je trouve un plan de véhicule pour le construire grâce à ça. Voilà, à peu près ici, tant que les deux. Allez, tu es libre. Remonte à la surface. Ah.
Voyons voir. Ah oui, c'est ça, j'ai pas le plein. Non, je ne peux. Où c'est que je l'avais trouvé, lui? Ça me c'était pas bien loin, quelque part dans ces biomes-là. Bon, ben écoutez, on va aller chercher ça. Hein? Ce serait chouette d'avoir un cimo. Un cimet. Je sais pas si je le prononce comme faux, mais moi je le prononce comme ça. Ouais. Des arbres rouges. Un message, un message. This is Avery Quinn, trading ship Sun. Aurora, do you read? Over. Over. Another back. He's on terror ships. They run low on engine grease and an SOS. Help? They only got them. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's going to take more than a week to reach your position. You still need our assistance. Over. I'll try them again tomorrow. Damn, you sure you're going to have employing our credits running errands for all time. On va peut-être avoir de l'aide. Je crois que c'est par là qu'il faut que j'aille pour le Simof. Le Simof. Simof, Simof, je sais pas comment l'appeler, désolé. Ça, c'est les arbres rouges. Normalement, si je me trompe pas de chemin, par là, je devrais trouver un autre biome très intéressant. Yeah. Oh, salut toi. Tu es une baleine. Non, quelque chose qui est sûr, c'est que c'est pas vers le haut. Attends, mais tu gagnes toi. Ouais, ça c'est gros puis ça fait peur parce que c'est gros, mais c'est pas méchant, inquiétez-vous pas. Mais c'est où les Viettins? Ouais, ouais, je me dépêche. Poubelle gelée. On reviendra après un petit bol d'air. Salut la baleine. Bon, c'est pas vraiment une baleine là, mais ça fait à peu près le même son. Fait qu'on va dire que c'en est une. Yes.
Ça, c'est très bon. Ça va me permettre de produire pas mal plus d'électricité que juste un simple panneau solaire. C'est tout? Si c'est bon en moutadie pour pouvoir trouver des ressources pas mal plus vite grâce à ça, puis même avoir une petite carte de la zone. Non. C'était bon, retournons faire un petit tour, être sûr que j'ai rien oublié. Très important, mais ça peut être pratique, ça peut faire de la plaide du coup, ça peut faire de quoi de sympa. Ça, je peux pas Là, je dois vous avouer quand même que j'étais un peu perdu parce que je trouve pas le biome que j'étais supposé de trouver. Ah oui, capsule 17. Je pense que c'est par là-bas, le biome que je cherche, le biome des forêts champignons. Je crois. Là, c'est la nuit. C'est par là. Allons voir ça. Et là, c'est pas mal plus creux. Je sais pas si j'arrive à atteindre la bonne hauteur. Oh oh. En même temps, je dois avouer que je stresse un peu parce que j'ai pas envie d'arriver à mauvaise place. Mais normalement, ça devrait être bon. Je sais plus si je vais dans la bonne direction. On peut revenir à la base. Ouais, peut-être que c'était pas une bonne idée. Peut-être va falloir que je la remette ici à côté de ma capsule.
message, non? Fait que... Je pensais que je l'avais eu déjà. Tant pis. Ouais, ça aussi, il va falloir que je le trouve, c'est vrai. Ouais, il faut bien ça, on va aller le chercher. Mais là, vu que j'ai pas vraiment de bouffe et que je suis pas préparé à ça, ça risque de pas très bien finir. Là-dedans, me semble j'en ai de la bouffe. Bon, on va aller voir si j'ai trouvé dans ma base. Faire de l'eau grâce à eux. Ben non, mais il fait noir, je veux que m'a retrouvé ma base. Bon, ben, de toute façon, on va retourner dans la capsule, hein, vu que j'ai reçu un message. Vous avez un nouveau message. This is Officer Keen in Lightpod 19. The captain is gone. I've assumed command. The last thing the captain did was give me coordinates for dry land. We regrouped 1.5 kilometers southwest of the crash site. Stay together and good luck. This message will now repeat. Rendezvous coordinates corrupted. Transmission origin coordinates dilated. Ouais, 300 mètres de profondeur, je pourrais pas aller là tout de suite. Ben, si, peut-être. 17. Bon, les autres sont pas là. Ben allons-y, écoutez, on va prendre le... Ah non, c'est vrai, faut que j'aille à ma base pour boire de l'eau. Ah, oui, j'ai ramassé des poissons pour faire cela. Vous voyez, je suis fatigué, ça paraît. Ouais, fait que probablement qu'on va aller voir ça, puis que ça va être pas mal tout pour cette vidéo-là. Ça va être un rendez-vous demain pour la suite. Ou après-demain. Mais bientôt la suite. Hein. J'aime ça jouer à ce jeu. Le soleil dans ces jeux, c'est rassurant. La nuit il fait noir, on voit pas grand chose. Bon, puis si j'arrive à une zone que je voulais pas arriver dangereuse, ben tant pis. C'est le risque du métier d'explorateur.
Fait que normalement, c'est juste là. Ouais, il n'y a pas le biome que je voulais par contre. Oh yeah, un morceau de 6 mètres. Vous voyez, c'est 16 mètres. Bon, mais je pense me rester un peu ici, trouver le 6 mètres. Je pense qu'il me manque juste deux morceaux à trouver. Hein, parce que la plupart, c'est trop. Grosse épave. Allons prendre un petit bol d'air comme toujours. Oui, je sais, j'y étais avant, tu me dis, je t'ai eu. On planche. Oh là là, je suis vraiment fatigué pour jouer comme ça, puis avoir de la misère à me concentrer. Bon, ben écoutez, vu que j'étais fatigué, je suis conscient que cette vidéo-là était probablement un peu moins bonne que les autres. Mais bon, je me reprendrai dans l'épisode 4 dans la prochaine vidéo. Fait que, ben merci beaucoup de m'avoir regardé. Puis la prochaine fois, ben on finirait l'exploration. Puis c'est ça, là en espérant que je trouve le bon biome. Comme il faut bien sûr aussi. Parce que sinon, c'est ça, j'ai pas envie de me retrouver dans un biome que je connais pas. Ou que du moins qui est trop dangereux puis que je suis pas équipé pour être capable d'y aller. Fait que je vous remercie encore d'avoir regardé la vidéo, on va sauvegarder tout de suite, puis on se retrouve à la même place demain ou après-demain. Merci, au revoir, à la prochaine.